អង្គជិះអង្គញោមរះការបន្តបច្ចុប្បន្នការនៅទេពធីតមកាឲ្យនឹងផ្ដល់វិទ្យាការជូនទៅសម្រាប់រិញ្ញារងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការដាក់បង្ហាញឯកសារគម្រិតរបស់ខ្លួន Thank you, Mr. President. I was in the second group of documents. This is documents of relating to Sector 13 and the Southwest Zone, showing that before, around the same time, and after the meeting alleged. I want to turn to Angkor Shay district. This was another district in Sector 13. It's the district where this alleged meeting took place. And document E319/19.3.125 is a statement from a person who was a member of the commune committee in Angkor Shay district in Sector 13. Answers 10 through answer 17, answers 10 through answer 17, he describes how 1 or 2 weeks after the fall of the law and order regime, pursuant to orders from the upper echelon, former Lam Nol Phanol soldiers, and I quote, holding ranks of second lieutenant and higher, were called to a meeting, taken away, and killed. Another district in Sector 13 was Kirabon district. Document E319/13.3.20 was a statement from a witness who was a chief of a 10 household unit in the Law and Order regime. And this is at answers 15 through answer 25 and answers 37 through answer 44 of the statement. He describes being part of a group of 180 Lan Nol soldiers as well as 10 and 50 household unit chiefs who in October of 1975 were gathered at a pagoda in Kirabon by Ye Bo. Ye Bo, who at that time was a member of the Kirabong District Committee. He describes how this group of 180 Lan Nol soldiers and officials were taken to the forest and killed. He was fortunate enough to escape. Ye Bo, I will remind you, was the sister of Ye Bun. And she was the person who became the district chief in King Svai district, the district that Sao Van went to after Chancock. Also from Kirabong district, document E3/95/98. Answers 14 through answer 15. This witness describes a meeting chaired by Kirabong District Secretary Tatit, who was the brother-in-law of Tatit. This was a meeting in late 1976 or early 1977. At answers 14 to 15, he states, quote, I attended a meeting chaired by Tatit at Wat Prey Rom and Tatit declared Ui Sim, a former Lan Nol official, as a traitor. At that meeting, Ui Sim was shackled and ordered to walk around to identify those who had served in the Lan Nol administration. I have never seen Ui Sim again. He must have been taken to be killed. Tatit declared that he was Angkor's enemy. Khmer
And some references from some other districts that were also part of the Southwest zone. He explained that those on the execution list were listed by name and duty. He observed that in early 1976, there were many more noble soldiers and policemen than in other categories. On the same year and pages, Meng Tree also writes about Prey Kabah, E3/4659 is an interview of a base person from King Svai district conducted by SOAS. And this is what that witness The Southwest zoners began looking for teachers and others. The chairman of work units and cooperatives would make reports to Klein, and then they would be arrested. My brother-in-law, Nguyen, then about 50-plus, was arrested in Chukiel sub-district at Rusaisrock. He had worked as a minor functionary at Public Works and was accused by people in the village of being a major. And I also refer your honors to a DC CAM statement, E3/5637, of documents on which I'll be very brief. The third group of documents is evidence as to documentary evidence confirming that arrests and executions of Law Nol officers
continued after May 1975, identifying 17 traitors that the party had examined and decided are to be smashed. It is from Comrade Pin, who was the chairman or secretary of Division 703. What I want to note about this document today is who the people are. Of the 17 traitors on this list that the party decided to smash in June 1975, it includes one colonel, five lieutenant colonels, three majors, one captain, five first lieutenants, and one second lieutenant. These are all people of ranks between second lieutenant and colonel. Again, I will just briefly reference these. Document E3-1539 is a list of S21 document just referred to E3/3973. This is an S21 execution log. This part of this execution log contains a list of 206 Lon Nol military detained and executed at this point. The same document also has a list of 60 former civil servants of the old regime who were executed. At last, Your Honors, I will just make a brief reference to the fact that there are also records from Tramcock District, Salvan's district, showing that in 1977 there were major arrests and killings of Lon Nol officers. I won't repeat this because it's something I have already done a presentation to you. I'll simply remind you that one of those documents, E3-2048, is a report from the very commune that Salvan came from, Chiang Torn commune, which refers to the, I quote, successive instructions from Kuntar to purge enemy officers. And I will conclude by referring you to research by Henri Ricard and MG, surviving Tramcock district, surviving Frank Tachan and Tramcock members, and found
that have the prisoners to crank chan, reformed monoliths, and policemen. I have the grip of the Khmer Rouge document in the grip of the Khmer Rouge document, D313 number, but I have the previous number, D313/1.216. And the Khmer ERN 007390044, English 002177700-701, French 00743759-760. And the same conclusion from Meng Tri E, who reviewed those records. កំពុងខិតខំយកចេញពីសភុរបស់ឯកសារយោង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 ចេញពីសភុរប
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Nous allons nous livrer à cet exercice un peu fastidieux passer en revue certains documents. Je précise que je crois que ces documents ont été d'autant plus compliqués pour la défense de nos enfants que nous ne savons pas quelle va être la position définitive de la Chambre sur la comparution de certains témoins et notamment experts. Et je pense notamment à 2TCE 92, 2TCE 87, et 2TCE 99. Et il va de soi que nous estimons que certains documents ne sont pleinement utiles et compréhensibles que dans la mesure où nous avons une discussion avec des sachants ou des personnes qui ont étudié la question. En tout état de cause, sur le segment des CHAM, deux documents que je voudrais mettre en avant à l'attention de la Chambre des partis. Premièrement, un extrait d'une émission de radio du Cambodge démocratique en date du 23 octobre 1971, document E3-272. Il n'existe, en tout cas version papier, simplement en anglais, 00167-5520. Alors, je conçois bien volontiers de propagande, mais il est intéressant de noter que dans le cadre de cette propagande, on parle des musulmans. Le titre de l'émission est le suivant en anglais. Muslims guaranteed full democratic liberties. Et l'intérêt de cette émission de radio et de montrer qu'à ce moment-là, le 23 octobre 1975, il était important de présenter les musulmans Cham comme faisant partie de la révolution et participant aux efforts de la révolution, notamment, et là c'est l'objet de cette émission radio dans le cadre de la production pour le pays. Je renvoie également à un autre document qui est un extrait de transcript dans le procès 02-1 et c'est pour ça que je le cite aujourd'hui. C'est le document E1-192.1 qui est un extrait de l'interrogatoire de l'expert Short vers 9h37 ce jour-là et interrogé à l'époque par mon confrère Copé, il évoque la question
des Vietnamiens et des Cham de façon générale. L'extrait commence donc à partir de 9h37. Je vais m'attacher à la deuxième partie de la réponse de la question de mon confrère Copé est la suivante. Pour mon dire sur votre réponse, lundi, vous avez prononcé le mot qui commence par G, génocide. Je ne vais pas vous poser de questions juridiques à ce sujet, bien sûr, et si je m'adresse au juge. Effectivement, cela relève de la Chambre de dire s'il y a eu ou non un génocide. À la page 446 de votre livre, ERN 00396662, vous dites que les Khmer Rouges n'ont pas tenté d'exterminer un groupe national ethnique ou religieux, soit les leurs, les Vietnamiens, les Cham ou d'autres. Vous êtes catégorique en disant qu'à votre avis, il n'y avait pas de telle politique. Sans employer le mot qui commence par G, la réponse de l'expert Short est la suivante. C'est très difficile de répondre à la question sans utiliser ce terme. Je vais citer George Orwell. Il y a des fois où le premier devoir d'un homme honnête consiste à dire que 2 et 2 font 4. La définition d'un mot, si elle est transformée pour correspondre à une définition légale, c'est très dangereux, car les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Et là, nous entrons dans une zone de turbulence inconnue. C'est donc difficile. Mais je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas eu de tentative d'exterminer quelques groupes ethniques que ce soit. La situation du Cambodge est totalement différente de celle du Rwanda, de l'Allemagne nazie. Là, il y a eu une tentative d'exterminer les Juifs pour ce qu'ils étaient. C'était des Juifs et donc ils devaient être exterminés. Les Tutsis devaient être exterminés au motif qu'ils étaient Tutsis. Cela ne s'est pas passé au Kampuchea démocratique. On cite souvent les Cham comme exemple, tendant à prouver que ça a été le cas. Il y a eu une tentative de les exterminer. Et pour les Cham, le problème, c'est qu'ils avaient une culture propre, profondément racinée, qui différait de celle des autres et des Khmer. Et pour Pol Pot et pour la politique du Kampuchea démocratique, il s'agissait de rendre tous les gens égaux. Ceux qui se distinguaient subissaient davantage de pression pour devenir des égaux. Dans le cas des Cham, on les a dispersés aux quatre coins du pays dans le cadre d'une répression sauvage de leur rébellion. Mais cela n'est pas la même chose qu'une tentative consciente d'exterminer un groupe particulier. Fin de citation. C'était la position de l'expert Short à l'audience dans le cadre du premier procès. J'en viens maintenant au document sur le segment des Vietnamiens. Et là, je continue sur l'expert Short, document E3-9, extrait de Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. Et le RN en français qui m'intéresse est le 00639-721, et je vais faire des extraits jusqu'à 2-5. Et en anglais, 00396406, et les extraits qui m'intéressent poursuivent jusqu'à 409. Il n'y a malheureusement pas de traduction en Khmer. Dans le premier extrait qui m'intéresse, l'expert Short évoque les conflits historiques qui ont opposé le Cambodge au Vietnam. Et il est intéressant de noter qu'il confirme ce que nous avons entendu devant la Chambre à plusieurs reprises par des témoins, et notamment je renvoie au témoin Prum Sarat à l'audience E1-383.1 du 27 janvier 2016, où il expliquait que les problèmes avec le Vietnam, il en avait entendu depuis même l'époque de son grand-père, et c'était vers 9h29 et 24 secondes. Ça a été également un point évoqué par le témoin Mivun à l'audience du 3 février 2016 vers 10h07 et 7 secondes. Simplement pour remettre l'extrait
que je vais lire en perspective par rapport à notre procès. Donc, à l'URN en français 00639722, l'expert Short évoque ce qui s'est passé dans le cadre avec les Vietnamiens sous l'UNNOL. Et voilà ce qu'il dit. C'est la fin de la page. Lorsque l'on découvrit que la chair à canon ne constituait pas une défense efficace contre l'ennemi héréditaire, le gouvernement de l'UNNOL dirigea sa fureur contre les civils vietnamiens. Le couvre-feu fut imposé aux seuls Vietnamiens. Et pour leur propre sécurité, des familles entières furent parquées dans des camps de fortune. Contrairement aux manifestations antérieures au coup d'État, lors desquelles les Vietnamiens avaient perdu des biens, mais personne n'avait été blessé ni tué, on assista cette fois à de véritables pogroms. Et il continue en prenant un exemple sur ce qui s'est passé sur des cadavres qui se trouvent du côté de Nikmang et d'événements du 10 avril à l'époque de l'UNNOL. Fin de citation, simplement pour rappeler que la question vietnamienne ou les difficultés qu'il y a pu avoir avec le Vietnam n'ont pas été créées par le gouvernement du Cambodge démocratique, comme si c'était des éléments et des soucis et des exactions qui ont pu avoir à l'égard des Vietnamiens dans le cadre de problèmes bien antérieurs à l'époque des Khmer Rouges. C'est un élément que l'on retrouve également dans un document, dans un article de Henri Locard du Cambodia Daily en date du 15 avril 2014. C'est le document 3/7283, ERN en anglais 00993774, et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en Khmer 01 1 1 4 2 4 5, et ERN en français sur la partie qui m'intéresse. Il n'y a pas de ERN en français, pardon, c'est un article qui n'existe que en anglais et qui n'a été traduit qu'en khmer. Dans cet article, Henri Locard revient sur la question des Vietnamiens sous l'UNNOL, et il parle également, et c'est pour ne pas revenir à ce document plus tard, et il y a une citation également sur les Cham. Donc je vais citer cette partie-là, donc en anglais 00993774, ce sont les deux derniers paragraphes de la page. As for the Vietnamese, they were the least unfortunate of all Cambodian residents since the some 300,000 Vietnamese citizens who had been spared the London pogroms in 1970 were required to leave the country. Not only did most of them take the opportunity to run away from the hate of the regime, but Sino Khmer, or Khmers with some snippets of Vietnamese language, also desperately tried to go through the border. We must not forget either that genocide is a politically charged term in this country and has been used since January 1979 for political expediency. As to the Chams, indeed, they were victimized more than other groups, but this was not because of their ethnicity, but because they rebelled en masse in Krokshmar district in Kampong Cham province, for instance, and refused to abstain from performing their daily prayers. All religions were banned, except the worship of Angkor, with its rituals and vast meetings.
Et Henri Locard poursuit dans cet article sur le fait que lorsque l'on compare les tueries qu'il y aurait pu avoir dans le cadre des autres habitants, il ne peut pas conclure qu'il y a eu une volonté particulière à l'égard des Cham. Je reviens à un autre extrait de l'ouvrage de Philippe Short, E3-9, où il évoque également le rapatriement d'environ 150 000 Vietnamiens entre 73 et 76. Cet extrait que l'on trouve à l'URN en français 00639 840 et à l'URN en anglais 00396 5 06 est intéressant parce que il renvoie à un incident qui a été évoqué par le témoin Prum Sarat à l'audience du 27 janvier dernier, document E1-383.1 à partir de 11h10 et 04 secondes, lorsqu'il répondait aux questions de M. le juge Lavergne. Voilà l'extrait que je veux citer. Là, le témoin expert parle des relations vietnamiennes avec le Cambodge. Au début du mois d'août, le douane rendit la politesse aux Cambodgiens en se rendant à Phnom Penh pour une visite que le journal du parti vietnamien Nhan Dan qualifia de cordiale. Quelques jours plus tard, Nguyen Van Linh annonça à Nong Chia que les unités vietnamiennes avaient évacué l'île de Wai et s'apprêtaient à relâcher 600 soldats cambodgiens qu'elles avaient fait prisonniers. Fin de citation. Je m'arrête un instant pour dire que c'est cet incident qu'a évoqué Sarat lors de l'audience que j'évoquais plus tôt. Je reprends. Les échanges de messages ultérieurs contenaient des déclarations vibrantes de solidarité militante et d'amitié indestructible. Des bureaux de liaison furent établis dans les provinces frontalières et les heures armées cessèrent presque entièrement. Le rapatriement de familles vietnamiennes du Cambodge se poursuivit tout de même. On estime qu'entre avril et décembre, 150 000 Vietnamiens regagnèrent le Vietnam, alors que des milliers de réfugiés cambodgiens qui avaient fui la progression des Khmer rouges prenaient la route en sens inverse. Donc là, c'est un extrait qui est important au niveau historique pour rappeler les va-et-vient qu'il y a pu avoir dans les relations entre Vietnamiens et Cambodgiens, pour confirmer qu'il y avait bien eu des soldats cambodgiens qui avaient été faits prisonniers et qu'à un moment donné, il y avait, en tout cas, au tout début de l'arrivée des Khmer rouges au pouvoir, à Phnom Penh, en tout cas, après le 17 avril 1975, il y avait des négociations en cours qui ont perduré sur plusieurs mois, mais c'est quelque chose sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Un autre document que je voudrais mettre en relief est un extrait de l'article de François Pochot, document E3. URN en français 00283070, URN en khmer 00323746, et URN en anglais 00323699. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un article qui est daté du 10 janvier 1976, avec toutes les précautions, bien sûr, qu'il faut prendre avec les déclarations de réfugiés. Dans cet article, François Pochot fait état de ce qu'il a entendu dire par certains réfugiés à la frontière. Et dans cet extrait, qui se termine par l'URN 70, page 17 dans le document français,
Dans cet extrait, il évoque la présence de Vietnamiens encore à cette date dans certaines régions du Cambodge. Et il se pose la question de savoir est-ce que ils sont toujours présents. Et voilà ce que Poncho écrit. Il semble au contraire que les Vietnamiens du Cambodge ont eu la possibilité de rejoindre leur pays d'origine dès le début de juin. À Cham Carle, un officier Viet Cong, Viet Cong dit-il dans cette version, Front de libération nationale du Sud-Vietnam, est venu le 3 juin dire à la population que les trois peuples du Vietnam, Cambodge et Laos, étaient frères et que si les Vietnamiens voulaient retourner dans leur patrie, ils le pouvaient. Plusieurs Pampinois se sont fait passer pour Vietnamiens et sont partis dès le 6 juin pour le Vietnam. Chemin faisant, ils ont rencontré de très nombreux cadres Viet Cong installés au Cambodge depuis plusieurs années qui rentraient au Vietnam avec leur famille et tous leurs biens. Ces cadres étaient rapatriés en camion alors qu'eux-mêmes devaient faire le chemin à pied. Je me pose un instant pour... Sorry, counsel, slower. Okay. I think the translators will get a heart attack if you go that speed. Some of the translators will get a heart attack if you go that. Effectivement, c'est un gros travers de ma part. Je vais essayer d'aller plus lentement. Donc, dans cet extrait, la question qui a été abordée également à plusieurs reprises au cours de cette audience des négociations sur le retour de certains cadres qui étaient présents encore au Cambodge est abordée. Et Poncho poursuit sur la même page. À la même époque, un médecin de Battambang Bang a été autorisé à rejoindre Saigon. Vers juillet, une délégation vietnamienne est venue chercher les ressortissants vietnamiens de la région de Thac Mau à raison de 500 à 1000 personnes par voyage. C'était plus important encore dans la région de Banam, ajoute un témoin. Vers la fin octobre, 600 Vietnamiens de la région de Battambang ont été rapatriés sur le Vietnam à bord de trois embarcations qui ont quitté Mongol Borei, passant par Phnom Penh, où elles n'ont pas pu faire escale. Le 8 novembre, ça c'est un témoin qui parle, alors que le paddy était presque moissonné, les autorités nous obligeaient, les Vietnamiens de Croc Khmer, à quitter le Cambodge pour aller au Vietnam. Seules 6 ou 7 familles obtinrent l'autorisation de retarder leur départ. Fin de citation. Donc là encore, ces témoignages de réfugiés, tels que rapportés par Poncho, semblent indiquer qu'il y avait effectivement des accords entre l'État vietnamien et l'État cambodgien pour le retour de leurs ressortissants. Et, la mention d'une délégation vietnamienne qui est venue rechercher des ressorts vietnamiens est quelque chose qui est intéressant de noter. Nous continuons dans la chronologie, et là encore, je vais parler d'un extrait de l'ouvrage de Philippe Short, E3-9, cette fois-ci à l'ERN en français 00639952, à l'ERN en anglais 00396587, et ça se poursuit sur... la page suivante. Là, nous avons vu que chronologiquement parlant, il y avait un moment où les deux États étaient encore en pourparlers, avec des retours de ressortissants de part et d'autre, avec une volonté encore affichée de dialogue. Et là, on se rapproche en temps de la période 77 et 78. Et à ce moment-là, à cet extrait, Philippe Short évoque la présence de camps d'entraînement pour réfugiés Khmer chez les Vietnamiens.
Ça commence à l'URN en français 00639951. C'est les deux dernières phrases du document. Au début de l'été 1978, les deux principaux acteurs du drame qui commençaient à se jouer, le Vietnam et la Chine, avaient surmonté toutes leurs hésitations et se préparaient pour de bon au dénouement inévitable. Les Vietnamiens établirent des camps d'entraînement pour les réfugiés Khmer dans d'anciennes bases militaires américaines au sud du pays. Le Duan et le Duc Tho rencontrèrent pour la première fois des hommes susceptibles de prendre la tête de la future résistance Khmer. Son Gong Min, qui avait dirigé le parti cambodgien au début des années 50, avait succombé à une attaque d'apoplexie en 1972. Mais certains de ses collaborateurs étaient restés au Nord Vietnam, où ils avaient été rejoints par des cadres Khmer Rouge qui avaient fui après 1975. Tous étaient des personnalités subalternes. Ben Sovan avait travaillé pour la station de radio du Funk au début des années 70, avant d'occuper un poste de commandant dans l'armée vietnamienne. Wu Tang était un ancien combattant Issarak du Nord-Est. Hun Sen, un jeune commandant militaire Khmer Rouge, avait fait défection à l'été 1977. Mais ils étaient les seuls éléments disponibles pour créer le noyau d'un futur régime post-Khmer Rouge. Un programme intensif d'endoctrinement fut engagé. Et en avril, on put constituer le premier bataillon de l'armée rebelle à venir. Donc là encore, c'est un élément de contexte qui est important. Je sais que la Chambre a fait une distinction entre le traitement des groupes spécifiques et le conflit armé, mais dans le cadre de la vision du dossier de la défense, c'est très difficile de faire une distinction. Et c'est important de savoir par rapport à ce qu'on a pu entendre de certains témoins sur les vagues d'arrestation ou des accusations de désertion ou de rébellion, de remettre les choses dans leur contexte et de savoir ce qui se passait également du côté vietnamien et à la frontière vietnamienne qui avait effectivement un impact sur ce qui se passait au niveau de l'intérieur du Cambodge. Un autre document qui nous permet d'évoquer également ces soulèvements et ces rébellions et ces défections du régime Khmer Rouge. C'est un article du Washington Post, cette fois-ci du 10 août 1978, document E3-7265, qui n'existe qu'en anglais et Khmer, donc ERN en anglais 00166105, ERN en Khmer 01081608, et ça se poursuit jusqu'à 1610. Je ne vais pas lire l'intégralité de l'article, mais simplement un extrait, et notamment l'introduction en anglais. Donc. Vietnam, which is engaged in a bitter border war with Cambodia, is reporting that a rush of insurrection has erupted across that country over the past several weeks. Many of the alleged revolts are said to have been carried out by regular army units. Analysts in Washington say they have no way of confirming the reports put out by Vietnamese media and are suspicious that Hanoi is orchestrating a Cambodian revolutionary movement to bring pressure on Phnom Penh to settle their violent disputes. Je saute quelques paragraphes et je vais en anglais à la deuxième colonne. The reports of the insurrection always attributed to Cambodian defectors or prisoners of war have been coming out 2 or 3 times a week
since mid-June. At that time, a statement reputedly made by a former Cambodian battalion commander said that revolutionary forces have established a base to fight against Phnom Penh. The base was said to be in Cambodia's military zone 203, which intelligence sources believe is near Mi Mot, a Cambodian town about 6 miles from the Vietnamese border. Since then, uprisings are said to have taken place at scores of towns and villages in Cambodia. Most of them are in the eastern part of the country, places such as Snow, Nik Rong, and Svay Rieng. They have also included other parts of Cambodia, such as Battambang province in the far west and Kampong Thom in the north. One former Cambodian soldier told of civilians, including civil servants, plantation workers, and peasants, turning on cruel cadres and exterminating them with bombs and clubs. Et ça, c'était pour les éléments de contexte. Et pour terminer, voilà ce que conclut l'article. Dernier paragraphe. The analysts believe that Hanoi is prepared to turn the pressure of the rebel movement up or down, depending on Phnom Penh's willingness to negotiate their quarrel. Fin de citation. Donc, là aussi, élément de contexte important sur la montée en pression de ce qui a pu se passer à l'intérieur du Cambodge dans la zone Est et la montée en pression également des discussions de la fin des discussions avec les Vietnamiens et avec en point d'orgue ce qui arrive en fin d'année 78 et qui va aboutir à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 79. Et là, je renvoie à un document E3-7310 qui est une série d'articles SWB Far Eastern Relations en date du 5 décembre 78, où là, on évoque la création du Front uni pour le salut national du Kampuchea, qui a été en partie créé par les réfugiés cambodgiens dans le but de renverser le régime de Phnom Penh. Et là, on a, on va dire, leur présentation officielle au monde avec un rapport. Et là, je renvoie au document ERN en anglais S0001-3294. C'est la première page du document. ERN en Khmer, S0001-3715-2. Et voilà comment le mouvement se présente. Premier paragraphe que je vais donc citer en anglais, puisqu'il n'y a pas de français. An event of great historic importance took place recently in Cambodia. In an area of the liberated zone of Cambodia, a congress of representatives for the foundation of the Cambodian National Front for National Salvation was solemnly held and was crowned with success. Participating in the Congress were more than 200 representatives of all strata of the Cambodian patriotic population. Workers, peasants, petit bourgeois, intellectuals, Buddhist monks and nuns, young people, women, Cambodian ethnic minorities, and patriotic insurgents who had abandoned the Pol Pot, Yang Sari administration and army. Fin de citation. Et je renvoie également à un autre article figurant dans cette compilation de différents articles sur la période. Je renvoie également
un article de Phnom Penh On Service, site à l'URN en anglais, S00133305, et l'URN en Khmer. Il faudrait que je revienne par vous sur le RN en Khmer parce que je crois que je n'ai pas la bonne référence. Mais en tout état de cause, l'article s'appelle en anglais Cambodia alleges Vietnam planting spies among refugees. Et là encore, nous avons un élément de contexte qui démontre que, évidemment, toute l'année 78, mais avec le point d'orgue vers la fin de l'année 78, on parle de révolte, on parle de défection, et on parle évidemment d'armées et de groupes qui s'opposent au régime de Phnom Penh. Je renvoie également au document E3-7315, qui également... une série d'articles et dépêches SWB, Far Eastern Relations, et donc 25 octobre 78. Et là encore, à la première page du document, notamment S01137156 en Khmer, et en anglais S00013209, et ça se poursuit évidemment sur les pages suivantes, où on évoque les différents, il y a différents articles qui évoquent la présence de divisions armées vietnamiennes notamment, et là la première page du document aux ERN que j'ai cité, un exemple dans un article du 24 octobre 78 du Bangkok Post, on a, je cite en anglais, six Vietnamese divisions fully manned at 60,000 and fully equipped have occupied Cambodian territory along the one length of the eastern border, according to intelligence reports reaching Thai military authorities. Cambodian resistance forces backed by the Vietnamese have occupied Kampong Cham, Ratanakiri, Snoel, and other strategic places east of the Mekong River, the report says. Deux paragraphes plus loin, le texte continue. The attempt to overthrow the Pol Pot government from inside is building up towards the dry season, which starts in 2 months. It is believed that the Cambodian resistance forces, supplied with arms and ammunition by train from southern Vietnam, could make the coup effective and quick. Fin de citation. C'est un exemple, comme il y en a plusieurs dans l'intégralité de ce document, d'articles qui évoque les avancées de mouvements rebelles à l'intérieur du Kampuchea démocratique soutenu par le Vietnam. Un autre point que je voudrais aborder sur le segment des Vietnamiens est un passage du document E3-3995, qui est un article de Steve Heder, ERN, un article de Steve Heder, il le partage, qui m'intéresse particulièrement sur le segment, et son analyse de l'expression un corps khmer avec une tête vietnamienne, qui a été abordée à plusieurs reprises au cours des différentes audiences. Et donc, document E3-3995 à l'URN en français 00802832, à l'URN en Khmer 00844612. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et à l'URN en anglais, 00773767. Je précise que cet article est intitulé « Racisme, marxisme
catalogage et génocide dans The Pol Pot Regime de Ben Kiernan et que cet article est une critique de l'ouvrage de Ben Kiernan. Et voilà ce que dit aux références que je vous ai données. Dans sa tentative d'argumentation, Kiernan souligne le fait que de nombreuses victimes de la zone Est ont été qualifiées de clan Khmer Balyun. Désolé pour mon accent Khmer. Expression qu'il traduit par corps Khmer avec un esprit vietnamien. Et qui, suggère-t-il, racialise ceux qui ont été tués. Cette expression, qui pourrait être traduite par un corps Khmer avec une tête vietnamienne, a également été utilisée par le passé pour évoquer des images de structures politiques Khmer sous le commandement du Vietnam. L'argument de Kiernan, selon lequel cette expression a été utilisée pour supprimer la majorité Khmer, au motif racial qu'elle n'était pas vraiment mère et dans le meilleur des cas incomplète. L'expression suggère plutôt que la direction et l'orientation politique étaient jugées plus importantes que les caractéristiques physiques déterminées biologiquement. Le fait d'être physiquement ou racialement un Khmer n'était pas une protection. La trahison à la classe et à la cause nationale était politique et elle pouvait être commise par quiconque était suspecté de refuser d'accepter la ligne politique de l'avant-garde prolétaire et d'y être fidèle, quelle que soit la couleur de sa peau, la forme de ses yeux ou la texture de ses cheveux. Fin de citation. Donc cette critique, elle est importante puisque lorsque nous parlons de génocide, et ça a été souvent indiqué de l'autre côté de la barre, on parle de race. Là, Steve Eder remet les choses dans un contexte différent en rappelant que le problème n'est pas la race, mais que le problème est la question politique et l'opposition politique. C'est un élément, une critique que l'on retrouve également chez Henri Locard, puisque dans le document E3-7280, un document qui ne se trouve malheureusement qu'en français, ERN 00995818, c'est un article qui est intitulé « Des regards myopes sur le Cambodge » qui a été publié dans le journal Le Monde le 28 avril 1998. Et comme Steve Eder, Henri Locard critique les thèses de Ben Kiernan et il dit ceci, et je vais aller particulièrement lentement compte tenu de l'absence de traduction écrite. Donc, ERN 00995818, dernier paragraphe en français. Il est bien évidemment impossible de vérifier les multiples preuves que Kiernan avance à l'appui de ses thèses. J'ai pu, parmi d'autres, relever trois manipulations des faits révélatrice, destinée à faire entrer la réalité de l'univers Khmer Rouge dans le cadre étroit des axiomes posés a priori par l'auteur. 1. Malgré ses conclusions, Kiernan ne parvient pas à prouver que les minorités ethniques furent particulièrement victimes de la répression. Si la forte minorité vietnamienne fut expulsée, donc épargné, les sentiments anti-vietnamiens, largement répandus au sein de la population Khmer, existaient bien avant les Khmer Rouges et sont hélas encore très répandus de nos jours. Jamais, contrairement aux affirmations de Hanoï reprises par Kiernan, il n'y eut de la part des responsables du Kampuchea démocratique de tentatives de reconquête de l'ancienne Cochinchine. Les Cham, essentiellement une minorité religieuse musulmane et non raciale, un Khmer peut devenir Cham par mariage, périrent certes en plus grand nombre que la majorité de la population, parce que certains villages du bord du Mékong eurent le front de se rebeller en masse et qu'ils renaclèrent plus que d'autres devant l'interdiction de pratiquer leur religion.
eu cependant moins de morts dans leur rang, 33,7% contre près de 25% pour la population dans son ensemble, selon Slivinsky. Et chez les catholiques, 48,6%, catégorie dont Kiernan ne souffle mot. Chiffre à comparer avec le nombre de disparus parmi la population khmernoise, 41,9%. Au-delà de la question des chiffres sur lesquels je ne peux pas m'étendre dessus, et là encore c'est toujours compliqué d'évoquer des éléments sans que l'auteur de l'article soit présent, explique l'intégralité de ses sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions académiques que l'on sait d'historiens, là, Henri Locard pointe le fait que ce qui avait été pointé également par Steve Eder plus tôt, à savoir qu'on ne peut pas parler pour le Kampuchea démocratique de volonté de génocide racial, en tout cas de volonté de, d'extermination pour la raison de la race, et que les événements tels qu'ils les resituent dans le Kampuchea démocratique correspondent à des répressions politiques. Un autre élément de contexte sur un autre ordre est ce qui ressort des... Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Il ne me reste que quelques documents à évoquer. Je ne sais, je sais pas, ça risque de prendre entre 15 et 20 minutes. Je ne sais pas si vous voulez marquer la pause et que je termine un débit plus lent après la pause. មួយកន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញឲ្យបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនក៏ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ